La laine la moins fraîche, Philippe Castelli. La plus petite des grosses têtes, Sim. La laine la mieux tricotée. Un petit Français que nous ne cesserons de regretter, mais qui chaque là, fois qu'il repasse, me regrette tout le temps. Mais parce que vous vivez voilà tout le temps, au-delà de l'océan, souvent. Quoi. Alors on a la nostalgie. Avec les jets, monsieur, ça va vite maintenant. Bon. Oui, mais au tarif ou enfin. Oui. Enfin, moi, je suis prêt à lui envoyer son billet pour qu'il nous rejoigne trois fois par semaine. Jean-Yann. Et puis. L'homme avec qui je pourrais faire l'émission si les trois autres n'étaient pas là. Ouais. Puisqu'il a tous les talents, tous les dons. Et donc, je pense qu'avec vous, nous tiendrions 4 ou 5 heures. 6. 6, même. Je vous propose. Peut-être. Vous voulez faire avec moi 6 heures ? Je suis même à peu près sûr que si vous vouliez, le dimanche à la télé, vous pourriez faire plus de 3 heures. Ça sera dur, personne ne l'a fait. Ouais. Mais. On pourrait faire 6 heures, par exemple. Par exemple. Jacques Martin. De Madame Pérez, qui habite Sarcelles, qui a dit « L'inceste ne constitue pas un délit tant qu'il ne sort pas de la famille. » Ma sœur. Ma sœur. Pierre Dac. Non. Alphonse Allais. Alphonse Allais. Ouais. Bonne réponse de Jacques Martin. Mais de toute façon, l'inceste entre frères et sœurs, c'est juste un peu d'éducation sexuelle. Ah non, hein. C'est plus l'inceste. Entre frères et sœurs. Non, c'est l'inceste, c'est avec la mère. Je crois pas. Non, l'inceste, c'est avec la mère. Non. Quand même, moi, avec ma grand-mère, on n'a jamais eu d'années. Non, l'inceste, c'est dans tous les sens, dès lors que c'est des gens qui ont le même sang. Il y a des témoins. Non, l'inceste, le cas type de l'inceste, c'est le gars qui va dans un truc d'échangiste et puis on lui propose plein de gens. Il dit non, j'ai mieux ma sœur. Alors là, évidemment, ça se remarque tout de suite. Mais autrement, s'ils font ça chez eux, c'est la raison, allez. Mais il paraît que c'est courant à la campagne encore. Hein, là. Oh, bah, c'est ouais, parce qu'il ne faut pas abîmer les animaux. Oh la vache. Eh oui. Mais l'inceste... Vous avez compris, monsieur Castelli, là, non? Ouais. L'inceste... Vous n'avez pas ri, là. Non, mais j'ai compris... Que quoi? Qu'est-ce que vous avez compris, là? J'ai compris qu'il fallait respecter les animaux. Ouais. Et alors? Il ne fallait pas faire ça avec une chèvre, mais avec sa mère. Oui, il a bien saisi votre pensée. Oui, c'est un peu ça, oui. Bon, la pensée de Jean-Yves, elle n'est pas tortueuse. C'est très courant en France. Et en ville, moins, c'est marrant, ça. Non. Je te garantis, en ville, partout... Partout. Je n'avais pas... qui m'intéresse, vous le savez, passionnément à la psychanalyse. Mais plus à Neuilly que dans le 20e, non? Non, dans tous les quartiers. Dans le métro, partout. Non, seulement. Partout. À l'usine? Partout, à l'usine. Pourquoi veux-tu que les hommes soient différents? Ah, quand même, non. À la campagne, c'est parce que souvent, ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la main. Non, c'est pas vrai ce que tu dis. Alors, est-ce qu'il y a moins d'inceste avec la télévision? Voilà un sujet de thèse. Ça dépend des films qui passent. Hein. Oui. Parce que sur le coup de minuit à Canal+, quand on a que sa sœur sous la main, vous comprenez? Oui. Non, la télévision n'a rien changé. Non. Je pense que c'est la vidéo qui risque de changer parce que les gens peuvent se filmer en même temps. Non, mais ça fait un moment que les gens peuvent se filmer. Alors, vous n'avez pas entendu parler de ça? Il y a une dizaine d'années, il y avait un couple qui se filmait dans un HLM et puis il y a eu une espèce de mauvaise interférence d'antenne et à chaque fois que les mecs des autres appartements appuyaient sur le bouton, pof, ils avaient les voisins. Télévision interne à l'immeuble et oui. Les fantasmes n'ont pas changé. Quand ils les croisaient dans l'escalier, bonjour. Oh, madame, bravo. Il y a la seule chose qui n'est pas évoluée depuis des siècles et des siècles, c'est le comportement sexuel. Oh bah parle pour toi, moi j'ai trouvé plein de trucs différents. Non, évolué, les problèmes sont les mêmes. Alors, j'ai vu l'autre jour, moi le truc de Jean-Jacques Hano là, sur la guerre du feu, c'était limité comme... Oui. C'est vrai que ce film est passionnant puisque au bout de 5 minutes de projection, on voit un homme prendre une dame. Et au bout de 2 heures... C'est une sorte de mère Denis, hein, parce qu'elle lave son linge. C'est qu'il a changé de sens, quoi. Ça a été le grand progrès de l'humanité. Ouais. À cause du feu aussi. À cause du feu. Mais elle regardait le feu comme aujourd'hui on regarde la télévision. Non, mais il n'y a pas à souffler sur la télé pour la conserver en état de marche. Tandis ça, qu'autrement, il faut souffler sur les bûches pour pas que ça s'éteigne. C'est pour ça, le mec, il l'orientait. Oui. Alors, fouet, et bien lui, il était derrière. Heureusement qu'il sans compter que la dame de dessous soufflait aussi beaucoup. En somme, la femme a été le premier soufflet. Ce que j'ai aimé, c'est les grosses têtes à l'époque, là. Vous savez, quand les 5 mecs répondent aux questions, ils font...
Ça existait déjà, les grosses têtes. De Madame Béguin de Romorantin, qui a dit « Si tes mains sont pour toi, tes seins sont pour les autres. » Mahomet. Oh, c'est joli, ça. Si tes mains Elle a dit ça à qui? Elle a dit ça à une copine, comme ça? Non, d'abord, c'est un homme. Ah, qui a dit ça, un homme? Et puis, il l'a pas dit, même il l'a écrit. « Si tes mains sont pour toi... » Il le fait dire à un de ses personnages. Les saints sont pour les autres. Non, non. Il l'a dit en s'adressant aux dames, quand même. Attends, les saints, comment? S-E-I-N-S. Nichon. En américain, Nichon. On dit Nichon. Nichon. Il y avait un président, le président Nichon. Ah oui, ben, c'est le président Nichon, dont parlait à la télévision Noël Mamère. Si tes mains sont pour toi, tes seins sont pour Mais alors, je comprends pas. Il parle de lui ou il parle d'une femme? C'est dédié à une femme. À une femme? Mon cher camarade. Château Bouillon. Redites ça. C'est un alexandrin. Si tes mains sont pour toi, tes seins sont pour les autres. Si tes mains sont pour toi, tes seins sont pour les autres. Et je goûte avec joie mon plaisir chez le nôtre. Oui. Pourquoi pas? Oui. Voilà. Henri Manot, c'est un poème lubrique. C'est poétique, mais ce n'est pas l'humoriste. C'est Jean-Jacques Rousseau. Non. C'est-il du Baudelaire? Non. Oh ben, Dieu, comment il est Baudelaire? Mais il n'écrivait pas des trucs là-dessus, d'habitude. Oh ben, Baudelaire, il ben, y a que des cochonneries dans Baudelaire. Mais, hein. Celui-là qui a écrit ça, bon Dieu, c'est ben un type exceptionnellement maudit. Excuse-moi, quand il m'a pressé le Saint John Perse, j'ai pas rien compris. Alors, c'est pas Baudelaire, c'est un poème... Mais c'est pas un poète, il a jamais dit que c'était un poète. C'est un poète. Il est vivant. C'est Totor, non? She's pas Totor. Alfred de Musset et son orchestre. Victor Hugo et son orchestre. Français, poète français, mort il y a... Oh, il y a... Il y a un bout de temps, bon Dieu. Il y a un bout de temps qu'il est mort. Il s'est pas suicidé, non? Non. Un poète qui est mort. Paul Valéry. Non. Ce serait-il Paul Fils Rimbaud? Non, ben, le fils Rimbaud, il a mal fini, hein? Oui. Qui est mort 40 ans, ça fait quelle année, ça? Oh! Uvaldieu! À la fin de la guerre. Ça fait 45, c'est du. Oh, Maurice! En quelle année qu'il est mort, le poète? Pendant la guerre. Il y a plus de 40 ans, oui, ça doit être pendant la guerre. Ah, il est mort pendant la guerre. C'était un poète de l'Académie française? Pas du tout. Il faisait que de la poésie? Il avait joué un rôle important dans le mouvement surréaliste. C'est Breton. Il est pas mort, Breton. Non. Ah ben, Chemin! Perret, Benjamin Perret. Il est pour moi. Il y a 40 ans à l'Aragon. Oh ben, il était mort à 20 ans, mais je ne savais pas. Il a signé le manifeste des surréalistes. Et grand ami des peintres. Alors là, ça y est, j'ai gagné. Francis Carco. Non. C'est l'ami des peintres, Francis Carco. Je vois pas bien. D'ailleurs, il avait une vue très personnelle des couleurs, puisqu'il avait écrit aussi « La terre est bleue comme une orange ». Il voyait pas bien. Qu'est-ce qu'il avait comme tracteur? Un Macéaris, un Ferguson? Pas sur un truc comme ça, mais alors. Si Madame Béguin de Romorantin vient de gagner 1000 francs, car vous n'avez pas su dire que si tes mains sont pour toi, tes seins sont pour les autres, c'était tombé de la plume inspirée de Paul Éluard. Il est point mort pendant la guerre, Éluard. C'est lui qui nous a introduit dans l'erreur. Il est point mort pendant la guerre. Mais il est point mort pendant la guerre, Éluard. Enfin, j'ai dit il y a 40 ans. Les lois, il est mort. Moi, j'étais au collège, je l'ai rencontré, ce type-là. Il est mort bien après la guerre. Non, je vais te passer l'almanach du pèlerin, tu m'as regardé. Il a dû mourir en 5 ans. Dis donc, il s'est mort en 5 ans. Ah, si, en 5 ans, tu es fastoche. Bon, enfin, il est mort, de toute façon, là. Ouais, je suis pas avancé. Ouais, hein, bon. Et quand il est mort, le poète. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De l'abbé Pierre Lot de Méholté, qu'est-ce que c'est qu'une coquille en langage pugilistique? C'est un protège-partie en matière plastique. Exactement. Aujourd'hui, on met dans les boxeurs. On met ça contre les coups bas. Bonne réponse collégiale. Bah, et mon Dieu, il s'intéresse à ça, l'abbé machin? C'est pour se protéger l'escargot. Hein. Bah, j'ai assisté à un combat de boxe une fois où l'arbitre, hop, donne le départ. Et au bout de 2-3 minutes, il réalise qu'un des boxeurs n'avait pas mis sa coquille. Alors il arrête, c'est le règlement. Et on a eu un changement à vue. Alors ça, c'était extraordinaire, c'est délirant. Vous n'avez pas, vous, de coquille? Pourtant, dans les journaux, c'est courant. Hein. Il a une boîte à pilules. Un étui peignien. Oui.
C'est très joli, ça, les tuyaux péniens. Oui, c'est, il y en a au musée de l'homme, c'est très gai. Oui, moi j'en ai un, c'est un ancien fourreau de parapluie. Oh, tu te surestimes. Non, fourreau de parapluie. En Afrique, on emporte encore des étoiles. Oh non, 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 si, si. Oh, si, dans si, quelques si, tribus. Si, si, on tressé en osier, oui, si, si. Quand on va à une soirée habillée, on se met ça. On ne met que ça. Que ça, oui. Il y a juste un petit fil pour l'accrocher derrière. Non, non, de la seule. Ils nous posent des questions comme si on savait vraiment tout sur les étuis péniens. Hein, vraiment, c'est... Franchement, alors moi, je sais pas comment ça tient, ça. Avec des bretelles. Là, ça tient par trois lacets. De Madame Martinet de Sevran, qu'est-ce que la forclusion ? Ah, c'est un terme juridique, ça, non ? Oui. Forclus, oui. Oui, c'est quand c'est trop tard, c'est oui. un peu ouais, du genre. Dit, oui. C'est du plus genre plaidable. Prescription. Quand il y a prescription. Exactement, exactement. En fait, c'est pas lorsqu'on exerce un droit, mais au-delà des limites fixées par le législateur, et on n'est pas forclus, on est forclos. Forclos, oui. Pardon. Et bonne réponse de Jean-Yann. Mais dis donc, ce législateur, on le connaît pas, il en fait des conneries, celui-là. Hein? Le législateur, on le connaît pas, mais il en fait des conneries. Qui c'est ce type, j'entends parler de lui? Non, non, tout le temps parler de lui. Comment il s'appelle? Le législateur, c'est le législateur qui a fait le code. Mais il n'y a pas un c'est nom, il n'y a pas... C'est Cambacérès. Ah, c'est en train d'être un peu tripoté, le code pénal. Oui, il tripote. Voilà, il faut dire que Cambacérès tripotait beaucoup aussi. C'est l'expression se faire tripoter le code est un des trucs les plus gays du monde. De Madame Bétard de Tournai, qu'est-ce que les médecins appellent bucolignose? Oh, écoutez, les médecins, ils ont vraiment, on les connaît, alors ils appellent des drôles de choses. Hein. Bucolignose, alors buco, c'est dans la bouche. Buco, c'est dans la bouche. Sont des aftes? Non. Bucolignose. Servez-vous de votre latin. Verminal. Non. Alors, lignose, ça vient du latin. Lèvres. Les lèvres. Non, non. Lignum, non, ce qui veut dire. Les gencives. Non. Lignum. Les papilles. La langue. Faut les maladies de la langue. Par analogie, à l'ulignum, tous les trucs comme ça. Monsieur Yann a fait du latin. Non, monsieur, non, pas trop. Un petit peu. Mais je suis pas allé jusqu'à l'ignum. Non, mais moi, je. C'est vrai, j'ai fait tout. Mais moi, j'ai dû m'arrêter à. J'en refais. C'est pas tirer la langue ? Non. Non, non, non. C'est une maladie. Bucolignose, si vous traduisez littéralement, vous avez la réponse. Ouais, mais qu'est-ce que c'est ? Mais vous qui avez fait du latin ? Ben, c'est le bec de lièvre. Non. Non, c'est bucolapinose. Le bec de lièvre. C'est bégayé. Il y en a un à la télé. Il y a un bec de lièvre. Qui ça ? C'est le seul journaliste animalier, là, le copain de Bardot. Il a pas un bec de lièvre. Oh, bah tiens, regardez, comme ça, ils font fantaisier les lapins. Et nous allons aujourd'hui chez ce grand artiste. Alors, vous avez un animal ? Oui, j'ai un morpion. Et... Comment l'avez-vous rencontré ? Dans un cinéma douteux. Mais t'as raison, c'est fou le nombre de morpions abandonnés sur les banquettes comme ça au mois d'août. Hein. Il y a beaucoup de gens qui s'en vont en vacances et qui laissent leurs morpions dans les bois. Hein. C'est incroyable. Faudrait lutter contre ça, attaché. Est-ce qu'il y a un latiniste distingué dans la salle ? C'est l'ignum ? Oui. L'ignum, ça veut dire quoi ? Eh bien, c'est ça qu'on cherche. Hein. Ça a trait aux dents ? Non. Ça a trait à l'arrière-gorge ? La glotte. À la bouche ? À la bouche, oui. C'est le palais ? À la bouche, en c'était général. Sur les dartres, c'est... Non. Mais non, l'ignum, c'est simple, quoi. Il n'y a pas de... Vraiment, franchement, si t'as fait du latin... L'ignum. L'ignum, oui, mais je vois pas. Ce l'ignum, c'est carrément l'émail. Non. Bon, dans la bouche, qu'est-ce qu'on alors... a? La bonne réponse, c'est une expression populaire, très très répandue. Bouche en cœur. La langue bien pendue. Non. La bouche en cul de poule. Non. D'ailleurs, on ne dit pas bouche à ce moment-là. La gueule en biais. La gueule en biais. Non. La gueule de bois. La gueule de bois. Bonne réponse de Sim et Jack Martin. Que veut dire l'ignum ? Bois. Ah mais oui, bien sûr, mais c'est bien sûr, bois, l'ignum. Bah l'ignum. Mais oui, bien sûr, bois. Ah oui, le lignum de Boulogne, quoi. Mais la gueule de bois, c'est pas dans la bouche. La gueule de bois, ça vous affecte quand même un peu la bouche, ça rend la bouche pâteuse. On pourrait vous appeler le nain du lignum de Boulogne. Par exemple. Vous n'avez jamais eu la gueule de bois, monsieur Castelli ? Deux fois, oui. À quelle occasion ? Ah non, j'étais beurré. Ça s'est traduit par quoi ? Bah, je suis devenu vert. Ah bah c'est resté, hein ? Non. Alors on a dû vous ramener chez vous ? Comment ça s'est passé ? Non, on a donné mon adresse au chauffeur du textile. Au chauffeur du textile. Bucolignose, dis donc. Deux fois seulement, c'est pour beaucoup. Oui, mais je crois qu'il a fait tout deux fois seulement. Dans RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard.
Les grosses têtes dans la nuit des temps. En mars 1986, Philippe Bouvard, Philippe Castelli, Sim, Jacques Martin et Jean-Yann. Question à 2000 francs. Oh, j'ai trouvé. Rien du tout. Que nous envoie Madame Minelli de Coulommiers. Il y a trois sortes de personnes qu'on ne peut pas accuser de meurtre. Oui. Qui ? Le bourreau. Alors, le bourreau. Le bourreau, un militaire. Un militaire. Enfin, dans l'exercice de ses fonctions. Non. Et un représentant de la loi dans les... Non, non, non. Un curé. Et le président... Le président de la République, non. Lorsqu'il rejette une grâce. Non, est-ce qu'il tue eux-mêmes ? Le troisième, il tue lui-même ? Le troisième peut tuer lui-même. Et le garde des Sceaux ? Autodéfense ? Non. Non, non, pas du tout. J'en ai trouvé deux. Un mineur. C'est bien. Alors, pas le bourreau. Bah, le flic. Pas les militaires. Le policier. Et ceux qui, en temps de paix, font peut-être le plus de victimes. Les médecins. Les médecins. Bonne réponse de Jacques Martin. Et vous oubliez les automobilistes, certains, parce que la bagnole c'est sévèrement la seule... puni. Hein. Oh non, mais attendez, la bagnole c'est la seule arme qui se vend en vente libre. Avec ça. Non. Le meurtre est une chose courante aujourd'hui. Et normal, je dois dire. Complètement. Oh, vous n'avez pas fini de dire des horreurs. Je ne dis pas d'horreur. C'est vrai, si on peut plus tuer les gens, alors où on va? Puis je vais vous dire, les commissariats sont bourrés de plaignants. Hein. Ah oui. Il n'y aurait plus de films policiers. Ben non. Finalement, que feraient les journaux ? Il faut réhabiliter le meurtre. Ce sont les victimes qui encombrent les commissariats. À votre avis, quel est l'événement qui a fait le plus la une des journaux, la couverture des hebdomadaires cette année ? Depuis un an. C'est le petit môme, là. C'est le petit Grégory. Ça fait un an. Quand on ne sait pas quoi dire, on met à la une l'affaire du petit Grégory. Ou alors Chanteurs sans frontières. Oui. Et c'est vrai, ça. Jamais Chantal Nobel n'aurait eu autant de couvertures, d'articles de journaux que... S'il avait été éthiopienne. S'il avait été éthiopienne. Ou si j'avais conduit la bagnole. Parce que jamais les mecs auraient fait un disque pour elle. Voilà. Question de Monsieur Ruget de Courbevoie. Le premier était un jeune homme imberbe. Le deuxième, un homme tout noir. Le troisième, un vieillard chauve et barbu. Les rois mages. Les rois mages. Oh, bonne réponse de Jacques Martin. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils étaient toujours dans cet ordre-là, comme les frères Ripollin, c'est que le vieux suivait le noir qui suivait le petit jeune. Vous comprenez? Il n'y a qu'à voir l'œil. Oui, le mec est devant. Ils sont arrivés avec de l'or, de la myrre et de l'encens. Ils sont arrivés. L'or, on sait ce que c'est, l'encens aussi, la myrre. La myrre, c'est un parfum. C'est un parfum que qu'on met à la télévision sur les écrans. Oui, on la met. Oui. D'ailleurs, c'est très regardé, hein, la myrre. Et le quatrième n'est arrivé que plusieurs jours après. Hein. Oui. Il y a eu un embouteillage. Il s'était perdu. De Monsieur Pascual de Paris. À la suite de quoi fonda-t-on la Ligue des droits de l'homme ? À la suite de quelque chose ? Après Hitler, après le nazisme. Non, c'est bien avant. C'est contemporain de la Révolution française. 1898. Les droits de l'homme, c'est la déclaration. C'est Société des Nations. Mais non. À la suite de quoi fonda-t-on la Ligue des droits de l'homme? Après la guerre de 70. Je vous dis en 1898, après un événement très précis. Dreyfus. Oui, après l'affaire Dreyfus. Bonne réponse de Philippe Castelli. Dites donc, votre pantalon, il est en soie. Il a un fond. Puis vous avez vu, c'est complètement usé, hein. Et puis il a un fond qui se relâche terriblement. C'est le fond qui manque le moins. Et on dirait un vieux sac de patates. Mais la braguette est toute neuve, elle a jamais servi. Jean, est-ce que tu m'aimes? Ben oui, mais tu me traites mal, alors évidemment, ça se calme un peu maintenant. Tu l'as traité de bovin. Est-ce que c'est sympathique d'appeler quelqu'un bovin? Mais parce qu'il fallait qu'il se tourne vers quelqu'un, parce qu'il était excédé, ce garçon. Ouais. Vous vous moquiez de lui sans arrêt, il en avait marre, il a craqué, c'est normal. Je comprends ça, moi, c'est comme quand on tombe sur une poitrine le soir, comme ça, sans regarder. Parce qu'on a du chagrin, et après on est déçu par la poitrine, mais enfin, je veux dire, des fois, on s'épanche, c'est tout, il a craqué, il ne faut pas lui en vouloir. Je crois que finalement, sans le vouloir, nous le rendons malheureux. Mais évidemment. C'est un être sensible. Oui. Et votre dernier disque ?
Ah, oh, il est pas sorti. Il va pas sortir ? Qui c'est qui a dit vous... c'est le monsieur, hein. C'est celui-là qui a dit il vaut mieux. Non, mais le dernier qui était sorti, c'est pas beaucoup vendu, hein. Mais je vais te dire, je sais pas qui tu as comme agent, mais il est pas malin, parce qu'il est même pas venu nous voir pour nous dire Castel vient de sortir un disque. Moi, je l'aurais passé, tu le sais bien. Ouais. Tu m'aurais téléphoné, grosse nouille, en me disant je vais te sortir. Ou même, il me venait me voir, moi, je téléphonais à Jacques Martin. Mais il serait venu me voir, je vous appelais, moi. T'auras appelé Sim, il appelait Philippe, Philippe appelait Jean, Jean m'appelait et je te faisais faire... Oui, on te trouvait un pays où il n'y a pas d'eau et puis tu chantais ça au moi j'appelais filles, Sabatier et bof. T'aurais dû me le dire, moi je te rachetais tous tes disques pour pas contaminer. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr.